Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vie de pasteur. Au moment où j'enregistre ce message, nous sommes le 30 juin au matin. Je suis un petit peu moins caféiné qu'à l'habitude parce que récemment j'ai eu des brûlements d'estomac. J'espère que ça paraîtra pas trop dans ce message. Dans les nouvelles, ce qu'on peut lire, c'est que malgré quelques jours de pluie assez intense par endroits, les feux de forêt à travers le Canada continuent. Et encore une fois, la qualité de l'air à l'extérieur est très mauvaise. J'ai lu ce matin que Toronto et Montréal étaient parmi les villes les plus polluées, selon certains index, du monde. Junior a terminé son année scolaire, sa septième année selon le système de l'Ontario, l'équivalent au Québec, c'est son secondaire 1. Son été s'annonce plutôt mollo. De ce temps-ci, il regarde des vidéos d'échecs, le jeu d'échecs sur YouTube. Le dernier épisode de notre balado Vie de pasteur est en ligne, le dernier de la saison, bien sûr. On prend une petite pause pour l'été. On va faire quelques petits coucous, là. Des petites capsules de 3-4 minutes pour vous dire bonjour, pour vous donner des nouvelles de notre été. On devrait être de retour à la fin septembre. Bref, cet épisode-là, c'est sur le lien entre l'environnement, l'écologie, la foi. Donc, sur toutes les bonnes plateformes et sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'Église Sainte-Claire. Je m'excuse. Et je devrais commencer mon nouveau contrat avec l'Église unie du Canada. La date officielle d'entrée en fonction est le 1er juillet, c'est un samedi. Lundi 3, c'est un jour férié, donc je devrais débuter le 4 juillet. Je devrais en savoir un peu plus ce que ce temps partiel à la pige devrait être. Bref, à travers tout ça, ma situation, je pourrais dire, est quand même relativement bonne. Surtout lorsqu'on compare aux centaines de familles à la recherche d'un logement. Pour les gens qui sont peu familiers avec le Québec, le 1er juillet est la date des baux de location. Alors, c'est là que ça se passe, c'est là que les gens déménagent et il y a une pénurie de logements. Pour être plus précis, il y a une pénurie de logements abordables. Trouver des condos de luxe, ça, il n'y a aucun problème, mais quelque chose d'abordable, c'est extrêmement difficile. J'ai lu cette semaine que la majorité des municipalités qui ont plus que 10 000 habitants, le taux d'inoccupation est sous les 1%. Gatineau. Moi, j'habite à Ottawa, il y a la rivière des Outaouais, l'autre côté, c'est Gatineau. Le prix moyen d'un appartement en 2018 était de moins de 900 $ par mois. Maintenant, 2022, les chiffres de 2022, c'est 1 200 $ par mois. Et c'est quand même assez hallucinant parce que moi, je possède une maison. J'ai dû renégocier mon hypothèque récemment et ça s'est déroulé à la suite de la série de hausses des taux d'intérêt. Et j'ai passé d'un taux d'intérêt d'avant la pandémie de 3% à maintenant un 5%, un taux fixe. Et je paie grosso modo 1 600 $ par mois pour une maison, tandis qu'un logement, le prix moyen d'un logement, c'est 1 200. Et la maison va m'appartenir, là. Quand j'aurai fini l'hypothèque, le logement, il n'y a pas de capital qui s'accumule, là. C'est hallucinant. Mais
je vous dirais, c'est le résultat d'un système capitaliste. Oui, je comprends que les gens qui investissent beaucoup d'argent pour construire des logements ont besoin de rentrer dans leur argent, de retour sur l'investissement. Cependant, il faut se rendre à l'évidence qu'on vit dans un système néolibéral où un toit au-dessus de notre tête n'est pas un droit, mais un objet soumis aux lois du marché comme tout autre objet qu'on peut acheter dans un magasin ou dans une épicerie. Et ce que je remarque dans le discours des politiciens, par exemple, c'est loger les plus pauvres dans la société et les personnes les plus vulnérables est devenu un acte de charité et non pas une nécessité sociale. Le Canada, l'Amérique du Nord, nous vivons dans un climat que, oui, on peut vivre l'été dehors dans des tentes, mais c'est pas vraiment possible en janvier et février durant les grands froids de l'hiver. Mais même là, il y a des campements de personnes itinérantes qui s'organisent l'été et on voit régulièrement les grandes villes démanteler ces campements-là sans vraiment offrir de solutions de rechange. Et assister à ces événements en lisant les nouvelles, c'est constamment un rappel que je suis une personne privilégiée. Pas juste le fait que j'habite en Occident, mais je suis une personne privilégiée dans ma société. Je n'ai pas à choisir entre manger, éduquer mon enfant ou avoir un logement comme trop de personnes doivent le faire. Et je pense qu'on ne s'en sortira pas en tant que société. On n'atteindra pas un autre niveau d'évolution tant qu'on n'aura pas un meilleur souci des personnes les plus vulnérables de notre monde. Et ce n'est pas juste une question de justice sociale, c'est une question aussi de foi, je pourrais dire. Les prophètes dans l'Ancien Testament, leur message récurrent, c'était « il faut prendre soin des veuves, des orphelins, des pauvres ». Ça fait partie, en tant que chrétien, de notre message, de nos valeurs, de ce qui se posait être important pour nous. Alors, je pense qu'il faut continuer à travailler pour protéger les personnes les plus vulnérables, à prendre le temps de confronter nos élus, les personnes dirigeantes, pour dire « ce n'est pas suffisant, nous devons faire plus, nous pouvons faire plus ». Si le gouvernement du Canada a assez d'argent pour donner 12 milliards, pas millions, milliards de dollars en subvention à une usine pour construire des batteries de véhicules électriques, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, vous n'allez pas me faire dire qu'il n'y a pas quelques millions à quelque part pour aider les personnes qui n'ont pas un toit au-dessus de la tête, qui n'ont pas les moyens de se payer des logements. Bref, je vais reprendre mon souffle, je vais continuer ma journée de travail, je vais peut-être me faire un petit café tantôt. Faites attention à vous, soyez attentifs à votre santé, soyez attentifs aux besoins des gens autour de vous. À très bientôt. Bye bye.